Hello, c'est une chercher de collège, je vais coucher. Un jour, je devais avoir une tâche souris. Je le souris, il ressemble un peu à Minecraft. Mais ce n'est pas Minecraft. D'accord. Je pourrais dire que c'est Minecraft. Bref. Nouveau monde, standard, on va appeler ça. Creepy Adventure Tale. Regardez, je vous vois quand ça va être prêt. Ok, on est de retour. Voilà, on peut créer un personnage. Ah oui. Parce qu'il y a de l'albinos. Non, il n'y a pas de rouge. Blut. Ok, pas grave. Hair color. Comme ça. Et on va le laisser commoner. Oh, bienvenue dans Vintage Story. On va commencer par récolter des roches. Ah, en fait, j'ai une idée. Un nom H, je crois. Tutoriel. Partons le jeu avec le tutoriel, tiens. Ah! Oh, j'ai dit tutoriel, hein! Ah non, ça l'a pas sauvegardé, je l'ai fait. Ah ben ok, bon. On va. Stop tutoriel. Ok, on va juste faire ça par moi-même. Donc, on doit trouver des roches et des branches. On va profiter de puissance. Pour tout simplement avoir des outils pour pouvoir se faire des petits bouts. J'ai pas bien de chance pour essayer de récolter. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs outils qu'on peut faire avec un flint. On va faire tout simplement knife. Si je veux en avoir besoin. Est-ce que je peux utiliser ça? Et ok, cool. Au minimum, utiliser la roche que j'ai pris pour pouvoir fabriquer les systèmes. Donc, on va tout simplement mettre ça dans ma crafting. Le crafting est fait. À la main. Aussi. J'explore un peu le jeu aussi. Je connais pas le jeu à 100%. Ce que je sais, c'est que j'ai quand même touché à essayer d'évoluer dans le jeu là. Et là, je suis juste à la Stone Age, si on peut dire ça. Et il y a de la physique aussi. On va récolter les roches que je vois autour. Avoir besoin de beaucoup de flint. Ça va être surtout ça mon outil principal. Le flint. Est-ce qu'on peut se dire là premièrement? J'aurais peut-être même faire une hache. Oh! Comme vous pouvez voir, il y a un anomalie ici. Je sais qu'il y a des montres suspentes de ces affaires-là. Être kidnappé et amené dans ces portails-là si vous êtes pas prudent. Qui, si ça se trouve, risque de m'arriver. Des petits sauts sur la pluie. Ça peut être intéressant de s'établir à côté de l'eau. Et on va profiter de cet endroit pour se faire une hache. Faites-vous un peu. Comme vous pouvez voir, c'est assez facile de faire des outils. Vous avez juste à tenir le clic gauche pour briser tout ce qu'il y a autour de vous. Pour briser les blocs. Dans ce jeu-là,
J'aime bien, puisque j'aime bien. Lorsqu'on pète le bloc en bas, ça pète tout le reste de l'arbre. Ça traîne l'utilité de la hache, je crois. Et voilà, l'arbre est tout tombé. C'est pas tant grave. Bon, là, ce qui serait utile, ce serait que je trouve aussi de la grasse, mais il n'y a pas d'air à avoir. Mon Dieu, c'est pas bon, c'est ça. Ok. Un aussi profond ravin que ça. J'aurai besoin de la dry grass rien qu'en masse. Donc je vais récolter tout ce que je peux dans la grass. Là, j'ai pas beaucoup de dirt dans les alentours. Je vois ça, là. C'est que du gravier qui est autour de moi. C'est pas très bon. C'est pas un très beau spawn. On a une map, comme vous pouvez voir. J'espère que c'est pas tout ça. Que c'est pas juste du sable vu qu'en regardant la map, vu que c'est tout gris. Hein. Please no. J'ai juste besoin de terre, s'il vous plaît. Oh my god. J'espère vraiment pas que ça soit ça. Et c'est bon d'avoir du gravier, mais pas à ce point-là. Ok, là, je suis à la recherche de Cattail. Pour ceux qui se demandent c'est quoi, je sais pas c'est quoi le nom en fait. Ça ressemble à des hot dogs, là, des plantes hot dogs. Ça plantait pas, je pense que mon ordi aime pas OBS. Dès que je fais du recording, j'ai des moments de lag intense. Pourquoi il y a juste du gravier et pas de terre? On va continuer. Je vais vous revenir quand je vais retrouver de la terre parce que là, je trouve que ça perd du temps. À plus. Oh mon dieu, terre à l'horizon. Donc il y a bel et bien un petit changement de couleur, mais vraiment minime. J'espère juste que du cattail roche, parce que j'en ai besoin à la tonne. Sinon, je vais avoir un inventaire de bip pour ne pas sacrer. Oh, il y en a là. Il y en a juste ici. Yes. Ok, cool. Très important à faire dans ce jeu. Je vais vous montrer ça. Je pense que ça va prendre 10 pour en faire un. Oh. On va faire ça. Je pense que j'en ai juste assez pour en faire un. Qui est déjà une bonne chose. Ok, bon. Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est mon inventaire normalement. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vide. Et en faisant un petit sac, vous pouvez voir, j'ai 3 baskets. J'ai 3 espaces dans mon inventaire. Donc, c'est pour ça que j'espérais trouver de la foutue cattail. C'est quoi le nom en français de ça? J'ai trouvé une petite, vraiment, mais vraiment petite zone. Le son était quand même assez fort, je trouve. C'est mieux. Donc, je vais m'établir ici. J'espère juste ne pas mourir. Je vais faire de mon mieux pour ne pas mourir. Ah non! Oh, un vestige. Donc, si j'ai bien compris, il y a des anciennes civilisations qui vivaient dans le...
sont morts. Oh! Oh, damn! Yes, sir! C'est parfait, ça! Cool! On va prendre les os. Est-ce que, encore une fois, il y a quelque chose qui peut être intéressant à faire avec ça? Je vais faire une belle, tiens. Shovel head. Ce serait le fun que le dans la vie ce soit aussi facile que ça se faire un petit. Faut dire que ça se fait pas facilement comme ça un outil. Bon. Là, je veux juste voir si j'ai d'autres trucs de d'ossements. Des fois il y en a deux ou trois. Je vais juste vérifier aux alentours. Ça a pas de l'air. Mais en même temps, c'est pas trop grave de perdre mon temps à récolter de la terre. Parce que je peux utiliser la terre pour faire des murs. Des murs solides. Parce que la terre est pas solide si tu la condenses pas. Il y avait pas d'autres gisements d'ossements. Parce qu'il peut y avoir des choses intéressantes dans les ossements. Pour faire une démonstration d'ailleurs, ça prend un bois avec un couteau, je pense, dans l'autre sens. Ouais. Bon. On va aller juste proche de l'eau. Je fasse attention parce qu'il pourrait très bien y avoir un loup dans le coin. Bon, on va mettre les os. Bony soil. On va faire clic droit. Et on va juste regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette soil de ossement. Voir, j'ai eu de la ficelle. J'ai eu rien. La deuxième. J'ai eu un os. Ah, le papillon s'est noyé? Ok, je pensais qu'il s'était noyé. rien. J'ai déjà eu une copper. Copper head de spear. De lance. J'ai eu deux ficelles, ce qui est correct. Si vous êtes curieux pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec les items, vous pouvez faire H en pointant dessus. Flax twine. Flax twine. On peut se faire un meilleur sac. Avec deux espaces de plus, ce qui est intéressant. Bon. On va se mettre à couper des arbres. Chose est sûre, c'est une place correcte pour s'établir. On va creuser cet étage-là. On revient quand je vais avoir... Ok, bon, j'ai enlevé une bonne petite surface. J'ai pas besoin de vraiment plus. Donc, on va juste condenser ma terre. Donc, comme on peut voir, les 6 terres en petit carré comme ça. Et on peut se faire une bonne quantité de terre. Donc avec ça, on peut se construire et ça ne tombera pas. Simplement faire une petite hutte de terre comme maison de départ. Ça va être bien en masse, j'ai pas besoin de plus. Ouais, c'est bien correct ça. On va se mettre le feu volé dans le coin. J'ai placé à mauvaise place. Rien cette fois. On va construire une belle petite maison de terre, vous allez voir. Je pensais que je pouvais juste pas faire ça. Il va falloir que je trouve de la nourriture, c'est vrai.
Quand j'ai vu une ressource dans le coin que je vais pouvoir utiliser pour faire le toit, on va tout simplement utiliser. On va tout simplement construire ça comme ça. Hey! Une petite hutte de terre! Parfait! Ok, donc pour se faire du firewood, c'est simple. On met une hache par-dessus du bois. Ça fait du firewood. Et voilà, on a fait un fire pit. Maintenant, je vais me faire un. Je sais pas c'est quoi le nom. Un fire starter, un kit de, pour partir les feux. Avant, je vais me faire. Ouais, je vais me faire une. Je vais me faire une porte. Hey, j'ai de la misère aujourd'hui à m'exprimer. Ah non, c'est vrai, c'est la hache, je crois. Yes. Et. On va voir. Home sweet home! Parfait! Juste avant, j'ai marqué. Je sens que j'avais vu des navets dans le coin. Oui, juste là. Ils sont juste parfaits. Parce que je vais avoir besoin de me nourrir. Surtout que la nuit approche. Ah oui, c'est exactement ça. Ces affaires-là, vous pouvez les utiliser pour faire un genre de toit plus stylé. Ça va être intéressant. Je vais en récolter un peu. Mon inventaire est du moins. Ouais. C'est ça. Si je me souviens bien, c'est 2-2. Ouais. Ça fait un thatched roof. Maison, juste là. Je le cherchais, je le voyais pas. Les star bleus pour pouvoir la voir en tout temps. Je vais avoir besoin de faire une torche. Ce qui est triste, c'est qu'il m'en manque juste deux caractères, puis j'aurai un 3 spots de plus. On va start mon fire. Go, go, go. Oh, mon bonhomme va mourir de faim. Ah, yes. Je peux-tu cuire un navet? Oups. Et donc, ça se cuit pas. Ça se cuit juste quand je vais avoir un pot de cuisson, pour la cuisson. Bon, ok. On va manger au minimum. On va se faire une torche. C'est deux. Hein? Ça va prendre, je sais. Donc on fait shift, clic droit. Et on a une torche. Yes sir! Bon. On va mettre la torche dans ma main gauche. Bleu, il est dans mon chemin. Il est dans mon chemin. Bonjour, arbre. Bon, on cet arbre que je puisse voir dehors. Chop, chop, chop. Allez, chop, chop. Tabouret. On demande de l'inscrire un arbre. Oh. Il restait un bout. Il restait un bout. Good. Bon. Une bonne chose de faite. On va aller replanter ça un peu plus loin de la maison. Qu'est-ce que c'est? Un petit cochon. Oui, oui, oui. Pas de là avoir d'autres caractères, j'aurais bien voulu faire un dernier panier. Mais bon, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Ah, un petit peu. On va faire quelque chose d'autre avec ça. On va se faire une bonne quantité de firewood. Qu'on va tout
mettre ici. On va tout ranger ça dans le coin. Hey, regardez-moi ça. C'est pas si fun d'avoir ça. Ranger ça de même. Ok, cool. On va faire juste un. Pour voir que ça ressemble. Tada! Ça là, c'est vraiment rien. Enfin bref, on va commencer à se construire des nouveaux trucs. Oui. Oh, good. Oh, cool. Ok, là, j'ai besoin d'un crockpot en particulier. C'est-tu la bonne chose? Non, c'est pour préserver la bouffe. Ce que je voulais, c'était autre chose. Vas-y, papa, je peux pas en refaire avec ça. Oh, fire clay, je peux pas faire de cookpot. Par contre, je peux faire un storage. Ah non, ok, cooking pot. Ok, le vieux. Ah ah ah. Ceci est utilisé pour faire donc ça, j'utilise les clés pour fabriquer des outils plus utiles. Ils vont m'être très utiles comme un cooking pot pour faire de la nourriture. Oups. Pour cook ma nourriture. Sir, bon. Donc là, il est pas prêt encore. On va tout simplement l'enlever de là. C'est triste, j'ai de la roche. Oh, attends. On va le faire ici. J'ai un truc de gravier juste ici. Ok. Donc là, on va. Oh, attends un petit peu. On va en profiter avant de starter ça. On va se faire 3 bowls. 4 bowls, one shot. J'ai assez de clés. Moi, je devrais en avoir assez. On dirait qu'un arbre était tombé. Bref, on va choisir 3. En pesant sur F, vous ouvrez le panneau que j'ai ouvert. C'est vrai, j'ai pas dit ça. On va choisir la grandeur, le nombre de cubes que vous voulez remplir. Je pourrais pas les cook tout one shot là, mais je vais en cook une bonne quantité. Une chose est sûre, j'ai un très mauvais spawn, un spot de spawn, parce que, disons-le, commencer avec juste du désert. Vraiment pas utile. On va remplir ça. Ah, il va me manquer des sticks. Bon, ben on va braver. On va braver la nuit. Avant de braver la nuit, je vais me faire une lance. Spearhead. J'ai bien fait parce que j'en entends un. Dehors. J'en entends même deux dehors, je crois. Ah shit. Je vais utiliser. Ah attends, non, je pense que je peux utiliser. Tu veux utiliser ça? Non. Flûte. Ok, tu. Oh, une hache. Parce que j'ai vu que. Il me semble que je peux faire de quoi avec. Avec la hache. Il y en a tombé. Ouais, je peux faire une hache. Je sais pas, c'est quoi la différence? Ah, plus de durabilité. Range. What? Ah, mon bonhomme est en train de mourir de faim.
monter les divines, y'en a donc bien. Meurs! Meurs! Ta bourrette! Je vais prendre un crevé de faim avant la fin. Pourquoi je peux manger vite vite? Comment on fait ça? Non, je peux juste le planter. Hey, la cattail! Oh, wait! Je veux manger ça. Pas manger ça cuit par contre. Let's go pour aller harvest ça, mon ami. On va juste se faire un sac de plus. Puis on va aller couper ça au plus vite. Mission de survivre. Ah, yes. Ok. Fuck, il est éteint. On va mettre ça là. Je vais reprendre ma torche. Let's go. Okidou. On est en business. Nous sommes en business. J'espère que j'ai eu le temps. Coq! Cuit! Cuit! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Non! Non! J'ai juste 2.3 de vie, je pense. 2. Je devrais avoir le temps. Away! Away! Plus vite! Pourquoi mon écran descendait de seul? Ah! Ok, je vais survivre. C'est-tu parce que mon bonhomme il est faible que l'écran bouge de même? C'est bien la première fois que je vois ça. Comme d'habitude, je spawn avec un spot parce qu'il y a beaucoup de nourriture. Là, dans un désert, ça fait tout l'effet contraire. Why? Pourquoi? Ok. Sir. Ouais, je pense que c'est à cause de ma santé que mon bonhomme il bouge tout seul l'écran. Let's go! Ça a pris beaucoup de bois pour juste cuire 3 petits trucs. Mon bonhomme il regarde vraiment. Hey, attends! Ah ouais! Ça a tellement été en boucle et c'est viré de bord one shot. Ah ouais! Ok, intéressant. Ok, cool! Bon. Oh, non, je peux pas. Non, je peux vraiment pas. Je ne peux pas me battre avec vous, monsieur. Ah, ils sont de retour. Fudge! J'aurais dû essayer de me trouver un bâton de bois en même temps. Salaud. Avec un salaud. Je te déteste. Je te déteste, un petit monstre. Oh, ok, ce n'est pas une bonne idée. J'ai pensé avoir le temps de le frapper. Mais il m'a frappé en même temps. Salaud. Tu n'es qu'un salaud. Je vais mettre fin à l'épisode ici. J'ai voulu vous montrer. Ah, en fait, je vais mettre une pause. Je vais attendre. Le lendemain, je reviens. J'ai remarqué que j'avais pas restarté le recording. J'ai crevé dans l'autre game. En attendant.
Voici une game un peu plus avancée. Donc, comme vous pouvez voir, ça, c'est après qu'un pitkin a été fini. C'est triste, j'ai pas d'exemple de truc à cuire. Enfin bref, ce qu'il aurait fallu faire, c'est remplir le fond de ça avec de la graisse, comme j'avais fait. 8 bâtons et 4 bois. Oui, 4 fire. Ouais. Bois de feu. 4 bois de feu. Pour ensuite juste l'allumer et attendre une journée. Pour au final donner un vessel content. Mettons un pot de clé ici. Un crucible qui est pour faire fondre les métaux. Comme là, j'ai plein de nuggets. J'ai pris en sieve le gravier, le gravel, que j'ai une quantité sur moi. J'ai fait aussi un pot de cuisine et des pots pour garder la nourriture plus fraîche plus longtemps quand c'est cuit. Bon, j'avais une belle petite maison dans mon autre game un peu plus avancé. Je me suis dit, vu que je suis mort et que ça va m'éviter de devoir courir à l'autre bout du monde juste pour retrouver ma base et refaire ce que j'avais. Oui! Wouh! Ok. Et c'est ça. Donc, c'était 1907. On se revoit peut-être dans une autre vidéo de ce jeu. Peut-être. Si on ne le sait pas. J'ai aussi trouvé ça, c'est vrai. Attends, j'ai pas un inventaire vide. Hey, la lumière! Donc, comme vous pouvez voir, j'ai trouvé. Ah, je mets pas la main vite. Des spears! Yeah. J'ai le meilleur spear. Ça rajoute juste 0,8 de dégâts. Enfin bref, on se revoit à une autre fois. Bye bye tout le monde.